Kenya nileta hapa bandugu ni maprojet ya maendeleo. Hapa tuko poste ya Kavivira, tunakuya juu ya kusema nasema mu français poste de la première pierre. Ya mabatiment zenye matajinga hapa au cadre ya projet ya PFCG. Tutafanya maport ya Kalundu, tutaihabiliter, tutaimoderniser, tutafanya masoko mbalimbali, tutajenga tena maport zingine hapa ku rivière Ruzizi. Les appareils sont indiqués. Regardez. Bienvenue dans cette revue de presse. Plusieurs journaux parus ce vendredi 31 août 2018 ont fait mention du diplôme universitaire de Félix-Antoine Tshisekedi sous le feu de nombreuses critiques. C'est le cas de l'Observateur qui titre « Le diplôme produit à la CENI par Félix Tshisekedi est un faux ». Selon ce journal, M. Tshisekedi Tshilombo n'a jamais obtenu un quelconque diplôme de l'Institut des carrières commerciales ICC de Bruxelles. La filière en marketing et en communication renseigne ce journal n'a jamais existé. D'autres indices patents du faux et usage des faux. Sur cette attestation, le quotidien conclut, malgré son long séjour en Europe, Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais obtenu, dans aucune section ou filière et dans aucun établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Le vrai modérateur s'interroge, Félix Tshisekedi a-t-il trompé son cursus universitaire d'après ses tri hebdomadaires, un prétendant important dans la course à la présidentielle du 23 décembre 2018 vient de se faire découvrir. Il s'agit de Félix Tshisekedi dont le cursus universitaire embarrasse même au sein de sa propre famille politique. Ce qui s'oppose au profil erroné de l'actuel leader de l'UDPS ont décidé de divulguer les dossiers classés top secret. Forum des As lui indique dans ses colonnes, Fatih Félix-Antoine Tshisekedi, invité à éclairer l'opinion. Des informations en provenance des milieux académiques belges renseignent que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était effectivement inscrit en première année de graduat comptabilité de l'ICC en 1987 où il a réussi mais n'aurait pas poursuivi ses études dans cette institution universitaire l'année d'après. Il n'a pas totalement oublié ses études pour autant, on reverra l'ombre de Fatih dans cette prestigieuse école belge 10 ans plus tard, en 1997, en section marketing, selon des sources affirmant que cette année-là, Félix Tshisekedi n'étudiera pas non plus.
Africa News, un séculé concerne, titre à la une, candidat Félix, un diplôme coince. Pour ce quotidien, M. Jean-François Bister, signataire du diplôme des graduats de Félix Tshisekedi, n'a jamais été directeur de l'ICC avant 2000, année à laquelle le précité a pris la commande de cette institution en remplacement de M. Jouré, qui aurait pu, en réalité, être le signataire du diplôme des graduats de Félix Tshisekedi, n'avait jamais été directeur de l'ICC avant 2000, année à laquelle le précité a pris la commande de cette institution en remplacement de M. Jouré, qui aurait pu en réalité être le signataire de ce diplôme de la fantôme section de marketing et de communication qui n'a jamais existé et de l'histoire des carrières commerciales à Bruxelles. Enfin, la vie révèle le diplôme de Félix Tshisekedi mis en cause. D'après l'avenir, la maison IDP se brûle, qui au sein de ses partis en veut à la candidature de Félix Tshilombo Tshisekedi au point de filer discrètement à la presse des informations et des documents compromettants sur les compétences réelles de ses candidats présidents qui auraient vécu en Europe sous la coupole de son illustre père sans jamais décrocher un seul diplôme universitaire. L'authenticité du diplôme que les candidats de l'UDP évoquent pour justifier son niveau d'études serait aujourd'hui sérieusement contestée. Félix Tshisekedi n'aurait jamais fait les études qu'il prétend avoir faites. Voici les faux documents mis à nu. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Où j'habite, là-bas.